Bonjour et bienvenue chez Urban. Ici, on a deux règles. La première, il faut toujours confronter son hypothèse au marché. Et la seconde, il faut toujours confronter son hypothèse au marché. Et avec Amélie, c'est ce qu'on a fait tout au long de notre projet. L'une agnéroise, l'autre lyonnais, l'un dans la R&D, l'autre dans l'immobilier. On a confronté notre hypothèse au marché. Rentrons dans le vif du sujet. En 2014, l'ANRU a mis en place un programme qui vise à réhabiliter plus de 450 quartiers prioritaires, avec comme objectif principal de remettre le citoyen au cœur du processus de construction. Génial, non? Et si on généralisait ça à l'ensemble du territoire? Avec Amélie, on a suivi notre règle et on est allé se confronter au marché, les citoyens d'une part. On a lancé une enquête qui a obtenu plus de 600 réponses. Et on peut vous dire aujourd'hui que 80% d'entre eux n'ont pas le sentiment de pouvoir donner leur avis correctement sur les projets urbains de leur quartier, malgré toutes les initiatives mises en place. Mais alors, comment ça se fait? Encore une fois, on a suivi notre règle et on est allé se confronter au marché, de l'autre côté cette fois-ci, les professionnels de l'immobilier. Au cours de plus de 30 heures d'entretien, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires pour mettre en place une co-construction avec les citoyens. Mais alors, comment remédier à ça? Eh bien, avec Urban. Urban, c'est la première plateforme de co-construction entre citoyens et experts de l'immobilier. Grâce à Urban, vous intégrez les citoyens par la participation et la concertation, par l'établissement de persona, véritable boussole du besoin citoyen, ou encore par la co-création via l'usage de jeux mobiles. Bien entendu, notre ambition, c'est avant tout de décloisonner les quartiers. De fait, notre business model a été co-construit en conséquence. Il prend donc la forme d'un abonnement, accompagné d'un ticket d'entrée, et est destiné aux promoteurs et aménageurs qui ont une force de frappe et un budget qui ne dépend pas de la commune. Il est ainsi disponible pour toutes les communes, quel que soit leur budget. Bien évidemment, notre ambition, in fine, c'est de se développer sur l'ensemble du territoire, en partant du département, en passant par la région, puis sur l'ensemble du territoire français et de la chaîne de l'immobilier. Donc pour nous, c'est très important de lancer Urban. Et gagner Made in 92, ça nous permettrait financièrement de pouvoir se lancer. Et lancer Urban, c'est par exemple permettre à des parents de mettre en évidence le manque de crèches près de chez eux, c'est décider d'agrandir une école, c'est choisir les bons transports. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est que deux à pitcher devant vous, mais en réalité, on est beaucoup plus que ça. Derrière Urban, il y a 6 mentors et contributeurs qui nous aident tous les jours. Derrière Urban, il y a 20 promoteurs, aménageurs et collectivités qui se battent pour décloisonner les quartiers. Derrière Urban, il y a 600 citoyens qui ont pour ambition de co-construire la ville de demain et pour améliorer la vie de 66 millions de Français. Alors vous aussi, aidez-nous à appliquer notre règle et faisons en sorte que l'immobilier se confronte à son marché. Merci.